Voilà, ça c'est des coccinelles qui commencent à rentrer et qui se préparent pour l'hiver. Toujours au mois d'octobre, on est mi-octobre. Vous voyez? Alors, elles se posent vraiment partout. Alors bien sûr, ce sont des coccinelles, hein, elles sont inoffensives, elles sont gentilles comme tout. Et elles vont se regrouper, alors pas dans la maison, si ça vous arrive, n'ayez pas peur, elles vont pas vous ruiner la maison. Attendez, il faut que je fasse attention où je marche pour pas en écraser. Et elles se posent littéralement partout. Et à l'intérieur, ça donne quelque chose comme ça. Ok? Alors elles vont se regrouper, depuis 2 ans, nous elles font une espèce de grappe à cet endroit-là. Et elles vont passer l'hiver comme ça, tranquillement. Elles ressortiront au mois de mars à peu près, fin mars. Et elles vont chercher à se mettre dans les endroits qui, je pense, selon leur instinct, par rapport à la température, au vent, au froid, est le meilleur. Alors ne leur faites aucun mal, hein. Elles ne font pas de dégâts, elles ne font pas d'éjection, elles vont se mettre en stase. Il n'y a pas de crotte ou je ne sais quoi ensuite, hein. Vous passez juste un petit coup de... Une fois qu'elles sont toutes parties, un petit coup de chiffon, un petit coup d'éponge, et puis c'est tout, quoi. Ouais, elle ne veut pas me quitter, celle-ci. Voilà, donc c'est plutôt sympa, les coccinelles qui préparent l'hiver. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Encore une qui vient de se poser sur ma main, toujours celle du bras. Voilà, bon allez, allez petite coccinelle, trouvez-vous un bon endroit pour passer l'hiver. À bientôt.